Oula, vous entendez? Ah non, les gars, c'est dangereux ce que je suis en train de faire, ça tremble de tous les côtés. Wow. What? Petit disclaimer très important, avant de faire cette vidéo, j'ai eu un petit problème de micro et je m'en suis pas rendu compte, donc vous aurez une vidéo entièrement avec ma voix qui est différente de d'habitude, et le hasard a fait qu'il y aura un peu des échos, donc je vous laisse imaginer que j'étais dans un sous-marin. Donc je pense que niveau immersion, ça peut le faire, donc je m'excuse pour ce problème, et bien sûr, ça sera réglé pour les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Iron Lung. Donc je suis au courant qu'un nouveau jeu est sorti adapté de ce jeu. Donc c'est un fan game, il s'appelle Seeking Iron. Mais je vous propose qu'on fasse les choses dans l'ordre. On va d'abord découvrir ce jeu et son univers. Et ensuite on fera le fan game ensemble. C'est parti. Descent. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. Okay, donc on est dans notre sous-marin. Profondeur, oxygène. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres et le jeu est seulement en anglais. Donc on va essayer de comprendre au maximum le jeu. J'essaierai de faire mon maximum, les amis. Donc là, vous voyez qu'on descend dans cet océan de sang. C'est de plus en plus sombre. Regardez la profondeur à gauche, la jauge nous indique qu'on descend de plus en plus. Ok. Donc là, la fenêtre est fermée pour la pression. Sinon, le sous-marin ne tiendrait pas. Ok, les communications sont mauvaises. Oula. Attendez. Alors, on a une map. On a le briefing. Il y a 2 semaines, nous avons exploré la lune AT5 pour la première fois depuis l'enlèvement silencieux. Ce qui a conduit à la découverte d'un 4e océan de sang. Une tranchée sous la surface de l'océan présente plusieurs points d'intérêt. Votre tâche consiste à photographier ces points d'intérêt avec la caméra avant du SM13. Les photos doivent être prises au moins à 2 unités de la position spécifiée et à moins de 10 degrés de l'angle spécifié. Vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour vous aider à naviguer. Seules les photos prises au point d'intérêt spécifié seront enregistrées. Comme vous ne pouvez pas naviguer à vue, faites attention à vos coordonnées et consultez la carte. Les indicateurs de proximité situés à côté des commandes secondaires se déclenchent si vous approchez d'un obstacle. Bonne chance. Ok. C'est parce que... What? On peut prendre des photos. Alors, on a des informations sur le terminal. On doit être sûr de mettre à jour avant chaque descente. La dernière mise à jour, c'était 5.378. Comment ça va se passer? Je découvre le jeu. Est-ce que ça serait là? Ok, donc j'ai compris. En gros, on sait pas où on est sur la map, mais à chaque fois qu'on va s'approcher, les capteurs vont nous dire que on est trop près de quelque chose. Ça, on peut prendre des photos tant qu'on veut, c'est pas un problème, ça enregistrera pas. Donc on est proche d'Algues du Four, j'ai envie de vous dire. Donc on va tenter des coordonnées. Là, c'est en train d'enregistrer. Progression. Y. On va avancer en Y seulement. On verra ce que ça donne. Donc le but sera de visiter tous ces points d'intérêt. Peut-être qu'il y en a un cadeau en commençant tout droit. Donc là on bouge sur les Y, on bougera aussi sur les X, donc à l'horizontale. Mais ah non, si l'angle à gérer. Mais c'est très inquiétant. On va voir ce que ça donne. Oh, on dirait une forêt au fond de l'océan. Ah. On détecte un point d'intérêt là. Il y a quelque chose. Photo? Est-ce que je dois bouger mon angle? J'ai pas trop envie de bouger l'angle, je vous mens pas. Ah, j'arrive plus. Ah, c'est bon. On va avancer. Je vais faire une bêtise, hein. Oula. Plus ça pipe, plus on approche. C'est un radar de recul, on est d'accord? Ouais. Attendez, ça s'intensifie. Ah ouais, regardez. On a 2 points maintenant.
Wow, on est très proche. Donc si j'ai deux points d'intérêt... Il y a des sacrés bruits. Attendez. Est-ce qu'on dévirait pas un peu là? Genre c'est pour me dire c'est des obstacles. On va essayer de passer entre. Oula, 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 oula. Je vais taper. On va taper les amis. Ça s'agite de fou. Si je tape. Ah mon dieu non. Oh la boulette. Ah mais attendez, je suis bête. C'est très simple. Les Y sont là, les X sont là. 864 258. On va la 258. J'espère qu'il n'y aura pas d'obstacle. Oula. Ok, obstacle à gauche. Alors là, je suis en 215-175. Alors, si on est en 215-175, on est vers là. C'est bon, on n'a plus de points d'obstacle. Donc ça, c'est bien les obstacles. Ça peut très bien être des objets, une paroi, que peut-être un monstre. C'est pas ce qu'il y a au fond. En vrai, je vais prendre le plus proche. Hein. 322. Le plus proche. 322, on y est. 186. On va redresser. On va voir à quoi ça ressemble. Bah ouais, on a quelque chose là. On dirait une débris de quelque chose. En 86. Est-ce que c'est compté là? Ouais, on a clairement quelque chose. Attendez. Oula. Comment je fais pour savoir là? Ah, je pense que c'est l'angle 33. À peu près. 322-186. Et là, on est bon. Ah ouais, les gars, c'est quoi? C'est des menhirs au fond de l'eau? C'est incroyable. Ok, celui-là est fait. On va dans 378-263. Donc... Ouais, 378. Là, c'est pas mal. J'ai compris le principe du jeu. Pour l'instant, je kiffe. Ça sera une ambiance, les gars. Ça sera pas un jeu avec des screamers. Oula. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, c'est fait. Ok, il y avait vraiment des bruits bizarres. Je vous propose qu'on aille au prochain. On va faire attention. Donc, du coup, regardez. On passe vraiment dans ce genre de chemin. Et on va devoir refaire le tour et passer là, je pense. 259-406. Oula. What? Les gars, il y a des trucs bizarres au fond de l'eau. Après, c'est un océan, c'est normal, mais là, c'est un océan de sang. Fais attention. Si ça vibre trop, je redescends. Je redescends mon angle. Je m'adapte par rapport aux obstacles. Ah, modification d'oxygène. Oh non, ça va être chaud là, attendez. J'ai peur. Oula. J'entends des bruits autour de moi. Hein. Ok, on va redresser. Ah! What? Ok, donc je reviens juste avant où je me suis crashé. Oula. Attention. On règle l'angle. S'éloigner de ça. Ah, ça me fait peur. Ok. De calme. C'est bien 406 Y. Oh my god. Mais c'est incroyable. Par contre, j'ai un obstacle en face de moi, ça va être compliqué là. C'est bon dessus. Surtout pas taper, sinon c'est la fin pour nous. Pascal. Pascal, yes. En fait, je suis en train de passer ici, les amis. On est proche, hein. On est proche des récifs.
sacré peu. Notre caméra, c'est un peu notre œil, mais bon. C'est pas en temps réel. Hop là. Là, on redescend notre angle. C'était 406. On est un peu plus par là. Et l'angle 296. C'est bon, on est bon. Photo. What? C'est un ver de terre, ça. Ça, ça fait très peur. Du coup, maintenant, faudrait revenir pour aller ici. Ça va pas être évident, les amis. C'est parti. Eh, c'est très compliqué de naviguer, en vrai. Faire attention. 560 et 277. Ah! Non! Comment je fais ça, moi? Comment je fais ça, moi? Je veux réparer? C'est ça? Ça a rien à voir, c'est pas un feu. Comment je gère ça, moi? La pression, la pression. Il y a une vanne pour la pression, c'est obligé, faut trouver laquelle. Celle-là? Aidez-moi le jeu, s'il vous plaît. La petite là-bas, non? On va crever, non? Oh là là, c'est compliqué. Ok, je sauvegarde. Wouh, le jeu sauvegarde, merci! Parce que c'est compliqué. 560. 277. Y'a rien du tout. Adresse parce que c'est 760. Oh, y'a des sacrés bruits. Ça, je sais pas comment le répare. Ah! Ah! Oh, c'était juste. Ok, 277, on y était. C'est bon. On est bon. Et l'angle 43. J'ajuste juste un peu plus l'angle. Non. J'ai l'impression qu'on avait une tête de l'autre côté. Montez l'angle. C'est pas bon là, attendez. J'ai cru voir une silhouette là bizarre. Il y avait un truc, on est d'accord, non? Il me semblait qu'il y avait ça plus une tête de poisson. Il a bougé? Je crois qu'il est parti. Je suis en train de scanner à 360 degrés là en fait. Si vous vous demandez ce que je fais. J'ai rêvé ou quoi? C'est horrible, les gars. Moi, j'ai cru voir quelque chose. Genre une tête de poisson horrible. Ouais, je crois qu'il est parti. C'est chaud. 613, 197. 1,55. Wow. Un truc qui a tapé le... la coque ou quoi? Attendez, on a une note. Ce n'est pas une expédition, c'est une exécution. Quand ils t'ont mis ici, ils ne voulaient pas que tu reviennes. Et même si tu reviens, et même si ils tiennent leur promesse, quelle liberté t'attend? Quelques navires en train de mourir dans l'océan des étoiles. S'il y a toujours de l'espoir, il est au-delà du voile. De l'espoir dans ce vide est aussi illusoire que la lumière des étoiles. Oula. C'est quoi ce bruit?
gars, j'ai peur des bruits. Je choisirai de rendre mon dernier soupir ici, au fond d'un océan, ni vu, ni entendu, et incontrôlé. Ils auront leur exécution, et j'aurai ma liberté. Oh mon dieu, c'est tellement triste. Les gars, je sais pas ce qui nous attend ici, mais déjà ça... Je suis pas mécano, hein. J'étais pas préparé. Il nous reste 3 barres d'oxygène. On est tout au fond. Et 613. Et on continue. C'est parti. Regardez. Nous, on est ici, en fait. On doit être vers là. Donc, je descends à 197. Sauvegarde. Il y a une sauvegarde. C'est bon et pas bon en même temps. Et l'angle est de 55. Qu'est-ce qu'on a? Wow. Les gars, c'est... C'est un ossement d'un vieux dinosaure, là. C'est pas possible. Attendez. On va essayer de régler l'angle. Pour avoir un peu plus la tête. Incroyable. Alors attendez, je vais relever encore un peu. À 40, ça devrait le faire. J'ai peut-être fait un peu trop là. Incroyable. Vous avez vu la taille du monstre? Essayez d'avoir un plus grand angle vers le bas des ossements. Ok. Ça me fait peur. Oula, regardez, on a ce petit passage. On va se planter là, c'est sûr. Pour aller ici. Et ensuite, on remontera. Par contre, là, c'est freestyle, c'est un peu effacé. Hein. J'ai l'impression que tout ça, en vrai, ce qui est à peu près grisé, ça rejoint. Mais je suis pas sûr. Ok, on va aller ici. Je vais faire des petites ellipses. Que ce soit pas trop long. Et s'il se passe quelque chose, bien sûr, ben, je vous le montrerai en vidéo. Allez, let's go. Wow! Eh les gars, il fait peur ce jeu. 750, s'il y a des obstacles, je relève. Il te dit trop tôt. Qu'est-ce que c'est? Les gars, il y a quelque chose qui m'observe, c'est pas possible. Ok, on va redescendre. Donc, c'est que je suis trop haut. On va redescendre. Ah! On va y aller doucement. On va y aller très doucement. Vous avez vu, c'est tout petit. Ok. On va monter doucement. On relève. On est bon là. Là, là on n'est pas bon. Donc si je m'enfile là, là on va taper, donc on remonte. Saving, yes. Je sauvegarde. On est où, là? On est où? C'est trop bizarre. Les gars, c'est vraiment chelou, hein. Bon, attendez, je redescends. Ah. Oula, oula, fais pas de bêtises, mec. Parce que c'est très proche, 258. Eh, je suis trop. Yes, on est bon. Et l'angle est de 209, on avait dit. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi, c'est un tombeau ou quoi? Et pourquoi je peux remettre dans ce terminal? Je comprends rien, moi. Va falloir revenir, hein, sans tout exploser. Quoi cet endroit? C'est trop chelou. Alors, attendez, je vais peut-être augmenter trop l'angle là. Je prends pas l'endroit. Qu'est-ce que c'est censé représenter ce truc? Vraiment? Je comprends rien. Oh chelou. Faut que je revienne. Oh ça va être dur. Oh ça va être dur de revenir les amis. Mais on va le faire, on va le faire. Encore un bruit. Wow. Non. Eh non mais je peux pas tout gérer là.
Et les gars, sous-marin est en train de me lâcher, c'est chaud là. Je suis où? Je suis où? 738. 738, on est à peu près vers là. C'est bon, on est bon, on continue. On va se remettre à peu près en 550 et on ira tout droit en haut. 550-200. Wow! What? What? C'est passé un truc là? J'ai frappé quelque chose? Les gars, je suis en stress. On a frappé un truc. What? Oh non, ça me fait peur là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de dingue? Je vous promets, on a frappé un truc. C'est trop bizarre. Oh my god, y'a rien, je comprends pas ce qui se passe. Allez, on se tire, c'est pas mon problème. Y'a tout qui est en train de rendre l'âme ici, ça va pas du tout, là. Y'a clairement une créature qui m'observe, c'est pas possible, elle veut ma peau. Allez, let's go. Continue, l'oxygène c'est bon. Là, on est au plus profond, les amis. On peut pas être plus profond. Yes, save. Je pense que je suis en train de passer dans ce petit couloir-là. Et du coup, ça sera du 623. 520. Wow! Non! Wouh! C'était chaud. Ok. Et l'angle est de 63. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a encore un gros squelette, les amis. C'est gigantesque. Ah ouais, ça commence de là et du coup, on va voir la tête. Où est la tête? Où est la tête? Elle est pour au milieu, quand même. Ok, il y a juste une colonne vertébrale, j'ai l'impression. C'est pas cool. Du coup, on est là. 623, 520. Ah, c'est pas compté. Je vois vraiment 623. Ma photo ne compte pas si je suis pas pile poil sur les coordonnées. Là, elle compte, vous avez vu? Donc, on va se rendre. Wow! Mais le terminal ne m'aide pas. Bon, il y a clairement une grosse créature ancestrale qui nous veut. Le Cthulhu, je ne sais pas qui c'est, mais il nous veut. On va aller tout droit sur les axes des X. On va pas se prendre la tête. Après, c'est freestyle par contre. La map ne magique pas grand chose. Oh my god, les bruits. Allez, on avance. Et on commencera à s'inquiéter vers 350. Ça sera peut-être trop tard, 350. On va peut-être percuter une grosse falaise des abysses. Le jeu est assez long, les amis, je veux faire des belles ellipses. Vous voyez vraiment l'essence du jeu quand même. Moi, je me régale en tout cas. Je crois qu'on va remonter. Ah, là, il y a une belle musique d'ambiance, on se rapproche de la fin. Allez, l'oxygène en est bon. Allez, pourquoi j'ai parlé? Le karma! Le karma, vraiment! Là, on n'est pas bon. Là, on n'est vraiment pas bon, les amis. Ok, ça save. Ça fait plaisir. On n'est pas bon, mais ça save. J'ai envie de vous dire. Il y a de la bonne musique, là. Une petite musique qui se réveille. C'est pas grave, le sac est derrière. On poursuit ou quoi? Et ouais, mais on ne connaît pas la map ici, c'est freestyle. Et on se rapproche du mur. Est-ce que je peux passer entre, vous pensez?
Ça a l'air risqué ce que je fais. Je me demande s'il n'y a pas un détour en haut à faire plutôt. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on va contourner. C'est pas comme ça, j'avais raison. Ça a l'air tout petit comme passage. Ouais, c'est tout petit comme passage. On va pas faire n'importe quoi là. Là, je suis en 613. 613, 372. Donc, je suis à peu près vers là. Ah, c'est bon en fait. On va pouvoir monter à gauche. On est bon. On naviguait un peu à l'aveuglette. Mais là, c'est bon. On a le bout de la map qui est revenu. Donc, on va prendre ce petit bras. Ça va être compliqué quand même. Oula. Wow! Y'a le feu! Y'a le feu! Mais what? Eh, il tiendra pas! Ce sous-marin ne tiendra pas! Je me disais, ça sentait les merguez! Wow! On a frôlé la catastrophe! Photo, photo, photo! Je sais pas où on est. Mais je ne veux pas y rester. Allez, il va quand même tenir jusqu'à la fin, ce sous-marin. Sauvegarde, c'est bon. J'entends des bruits au loin. Durand nous parle. Et c'est chelou. Ce jeu est vraiment mystérieux, les amis. Ok, pardon, pardon, j'ai compris. Bah, c'est comme ça. Après, il y aura un point à gauche et je vais redescendre. Ça s'approche dangereusement du bas. Mais what? Les gars, on se rapproche d'un bruit là! 213, 650. Exactement, 580-576. On est très proche. Waouh, waouh, waouh. Ouais, non, y'a tout qui rend l'âme. Ah. 180. Oula, ça tremble beaucoup, je trouve. C'est bien là, hein. 180. Les gars, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Ça tremble de tous les côtés. L'angle, 184. Je prends une photo quand même. On sait jamais. Ok, y'a rien là. 84. Y'a quoi là? What? Les gars, on est d'accord, ça ressemble à un faisceau lumineux, une étoile. Il y a une jarre d'étoiles, non? Je dois rester... Oh, c'est dangereux ici. Oh, c'est dangereux ici. On va s'en aller. Moi, je pense qu'on va s'en aller. Ouais, les gars, il y a une jarre d'étoiles bizarre. On va remonter là-haut. C'est très dur de repasser encore. Et on doit le faire. On le fait pour les abonnés. Une jarre d'étoiles qui fait du bruit. Tout à fait normal.
Allez, on tape pas, s'il vous plaît. On revient sain et sauf. Déjà que ça va pas du tout l'état du sous-marin. Allez, on a un petit couloir. Si vous comprenez rien, vraiment, je suis en train de suivre ce passage là. Hein ? Ça s'est calmé. Je rappelle, les points sont les obstacles. Dès qu'on voit un point, ben, on va pas dans cette direction. On est dans les abysses là, on est dans les profondeurs, je suis tout en bas, tout au fond de l'océan. Il y a les pires des choses, vous l'entendez, vous les voyez, même si c'est en noir et blanc. Ok, le jeu sauvegarde, merci. Merci. C'est bien, j'ai bien compris la mécanique du jeu, qui est vraiment pas mal. Hein. Je redoutais un petit peu ce jeu, je vous cache pas, il est full anglais. Je me suis dit que ça allait peut-être pas vous plaire, j'espère que ça vous plaira en tout cas. J'essaie de vous proposer du contenu de qualité sur la chaîne. Ça sauvegarde, yes. Et l'anglais de G-Suite. Y a pas de bruit. Oh, attendez, ça ressemble à des tentacules. Est-ce que ça serait pas un poulpe géant? Encore un ossement, j'ai l'impression. Un gros crâne. Ça, par contre, ça m'inquiète. Est-ce qu'il va tenir notre sous-marin? J'essaie de prendre un peu tous les angles. Voir vraiment ce qu'on a. Me dites pas que c'est des griffes. S'il vous plaît, me dites pas que c'est des griffes. Même si c'est des tentacules, en même temps, ça rassure pas. J'en ai marre. Le dernier est là. Le dernier est là, les amis. Ça va être très dur le passage, on est d'accord. Hein. Donc là, je vais descendre un petit peu. Légèrement. On va s'arrêter à peu près en 450. Ensuite, on redressera. Ça sauvegarde. C'est bon signe, en même temps, non. Donc on est en 678. Faut le remonter. Oh. Oula, on a frôlé l'incident parce que je me suis trompé de touche. Attendez, c'est encore proche là. Très proche. Attendez, j'ai fait bugger le truc ou quoi? Je reviens. Oula, non, non, non. Les gars, ça déconne. Les gars. Soit on est proche, soit ça déconne les instruments là. J'ai l'impression que ça déconne. C'est pas possible, il y a un truc autour de nous là. Observez. Oh mon dieu les amis. C'est horrible. Vite, chou là. 437. 437, c'est où? 437, on est à peu près vers là. Faut que je sois à peu près en 700, un peu moins de 700. Et on redescend. Allez, un peu moins de 700. Et on y retourne. Les gars, on a observé, j'avais raison, depuis le début. Oh, c'est horrible. On est un peu moins de 700, Nachi. On continue. Là, on a dû frôler ici. On va remonter. Pas de suite, mais on va remonter. On va remonter de suite, du coup. Même remonter un peu plus. Un peu moins. Oh ! Oxygène ! Oxygène. On est où là? On est en 539. 539, on est à peu près vers ici. Ok, je redescends. Je redescends. On remonte à partir de 575. Attendez, mais il tourne autour de nous là, non? Eh les gars, je m'inquiète là. 575, on a déjà à peu près, et là je monte. What? Y'a du sang qui s'infiltre? C'est l'océan? Les gars, c'est l'océan, il rentre? Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, on va remonter. Les gars, est-ce qu'on va tenir? De toute façon, on a plus d'oxygène, on va mourir. Hein. Oh mon dieu, ce jeu est horrible.
Un océan de sang? J'ai l'impression que ça monte de plus en plus. Allez. Les coordonnées quand même? 675. Ce jeu est horrible. Allez, on redresse. Oula, ça déconne les lumières. Oh. Les gars, c'est inondé. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va tenir avant le dernier point? Je dois redresser à combien là? 660. Oula, il y a quelqu'un autour de moi, c'est pas possible. 60, on est à peu près là. On va pas tarder à remonter. On va remonter. Un peu légèrement. Et ensuite tout droit. On y est en X. C'est le dernier point, les amis. 128. Les gars, j'entends un bruit devant moi, ça me fait peur. Angle de 0. Prends une photo d'avance. Oh, c'est quoi ce trait là? 295 donc ça sera. Angle de 295, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le dernier point. J'ai peur, hein. J'ai très très peur. On a plus d'oxygène. C'est en train de s'inonder. Ah ah. Oh my god. Oh my god, les amis, je m'y attendais pas du tout. Oh, le jeu était incroyable. Incroyable.